C'est aux environs de 19h heure locale de ce jeudi 26 août 2021 que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a effectué son entrée dans la villa Ankoro de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, à la résidence du désormais feu Gabriel Kyungu Akumwanza, décédé le samedi 21 août 2021 en Angola. Elle a été accueillie par la délégation du comité fédéral de l'UNAFEC Lualaba avec René Lumuna Mubonde en tête. Fifi Masuka Saini a pris place aux côtés de Madame Mireille Massangou, la veuve du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La première citoyenne du Lualaba s'est donné du temps pour apporter des mots de réconfort à Madame Mireille Kyungu. Juste après, la femme numéro 1 du Lualaba s'est inclinée devant l'effigie de ce baobab de la politique congolaise. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement de Lubumbashi, il y a le député national Malandji, Louis Kamouni, président de l'Assemblée provinciale, le questeur Roy Kaumba et le rapporteur Gaston Mouchid. Masuka Saini Fifi garde de Kyungu Akumwanza le souvenir d'un leader charismatique qui a réussi à convaincre ses contemporains de tout âge. Des hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux qui ont pendant des décennies adhéré de manière désintéressée à son combat politique. Pour Fifi Masuka Saini, Gabriel Kyungu Akumwanza était un allié de taille du chef de l'État Félix Tshisekedi et dont le combat politique va longtemps marquer le peuple lualabais.